Yo les gars, comment on va? Écoutez, je suis très enthousiaste. Aujourd'hui, je vous lance le premier épisode de ma série sur The Journey, l'aventure sur Fat 7 avec Alex Hunter. D'ailleurs, il me ressemble un peu, vous trouvez pas? Regardez, bon, après, c'est vrai que sur sa coupe, il a deux petits traits là, mais bon, au niveau contour, etc., ils sont mieux faits que les miens en ce moment, mais quand je vais me les couper, vous inquiétez pas les gars. Premier élément super important, le choix du club. Donc, du coup, je prends mon club de cœur, je vais commencer à Arsenal directement, je vais même pas chercher à comprendre. George, I tell you the boy had talent, didn't I? No son of mine goes down like that. It's embarrassing. If you're going to talk like that about our boy, you should leave. Leave? I want him to be a proper player. Just get out of here. Fine. I'm leaving. Go on then. Ce qui me tue, c'est que quand j'étais plus jeune, je vous jure que quand je jouais au foot, on avait les mêmes types de maillots, c'est-à-dire le maillot avec juste le logo, bon peut-être une petite marque à côté, mais il y avait vraiment rien d'autre. Ok, donc là lui il rate son penalty complètement, c'est un peu compliqué, putain. Je regarde le... Je vois, je suis sur le terrain devant ma mère et devant mon grand-père. D'ailleurs, elle est assez mignonne, ma mère, dedans. Bon, voilà. On va se décaler un tout petit peu. Voilà, histoire que ça fasse un peu stylé. Et là, on va partir. Allez. 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 Oui, on la met en pleine lucarne. Nickel. Perfect. On met la pleine lucarne. On met notre premier but sur la finale des moins de 12 ans. Ça fait super plaisir. Voilà, il y a Gareth, mon meilleur ami dans le mode de journée, qui vient m'a acclamé. Oula, là c'est triste, il y a un peu une grosse embrouille entre le père de famille et la mère de famille. Ils sont en train de s'embrouiller tous les deux, en bas. He didn't even care that we'd won. Look, I'd better go, mate. Mama wanna hear about the match. See you at school Monday, yeah? You played well today, Gareth. Really? Donc là j'imagine que papy va venir me donner des petits conseils, venir me consoler un peu par rapport à l'embrouille entre maman et papa. Penny for him. Come on. What are you thinking? Football. This is what I want to do. Like you. And Dad. You know, there's a difference between playing at something and working at it. You're serious about going pro, you're gonna have to make football your life. Écoute, c'est comme moi, toute ma vie, je l'ai concentré au poulet, donc du coup, ce qui fait que je mange que ça. Hein. Je pense qu'il a tout dit sur cette phrase. The scout. En février 1969, j'étais même pas né. J'étais même pas un fœtus. Left foot volley. Sweet as a nut. Yeah, might bring you luck too. You sure, Grandad? Oh, yeah. I'll practice with it every day. Well, you better get on with it then, ain't you?
7 ans plus tard. Ok, les trophées, Eden Hazard, les joueurs, le mur, ah, le logo d'Arsenal, l'emblème, le canonnier, et le Sportius Cup. It's time, Alex. Ah là 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 là. Eh, il me ressemble un peu, vous trouvez pas qu'on a un petit rapprochement, lui et moi? T'es mal à regarder. Enfin, bon, j'avoue, il est plus frais que moi, clairement. Il y a les réseaux sociaux, on peut dire que c'est Twitter directement. Je vais voir déjà combien j'ai de followers. Donc j'en ai 1874. Ok, je vous dis, hein, mais mes parents, ils sont pas très riches, donc du coup, c'est un peu compliqué en termes de voiture. Hein. Je suis pas en Porsche, en cabriolet, en Lamborghini, etc. Entrez, on peut y arriver, oublie tout ça. Bon, moi je vais mettre on peut y arriver parce que je parle de cet état d'esprit. Ça fait un peu arrogant, mais voilà. C'est... Je sais que tout est possible dans une vie. Don't see this as an exit trial, okay? See it as an opportunity to impress. You just go out there and express yourselves. George Baker's a tough nut, but he knows a good player when he sees one. And you lads are just there. Did you get so grown up? Wish Dad could be here, Mum. Hey. Today's about you, Alex. Nice motor, mate. Bah, ok, donc il me nargue, je lui réponds, je préfère avoir du talent. Bang. Bang. Ok, il m'a refroidi, c'est bon. Il m'a refroidi direct. Ignore him, lads. You let your talent do the talking. Has he got pro contract? Bruf. Donc lui, il a un contrat. Donc lui, j'ai l'impression que ça a l'air d'être l'ennemi, ce mec-là. C'est le mec un peu relou, le mec un peu... Je la raconte. You got the skills to make it in a professional game. Now for the last few years, you've all been honing your skills at your respective academies. But for whatever reason, you've been released. Now the league organizes these trials because it believes some very talented players may well slip between the cracks. So this is your chance to prove to me and to all of the scouts from around the country here in attendance that you've got what it takes to be a professional footballer. Make no mistake, most lads don't. For most of you, today's trial will be the end of the road. But for some, it could be the start of the professional career you've all been working towards. Everything you do, every kick of the ball will be scrutinized and will count towards making your future in football. Now these lads behind me already have their pro contracts. They know where they stand. Ah, je vais tout donner, garçon, pour t'épater, t'inquiète pas pour ça. Je vais vraiment tout donner. Contrat pro ou pas. Mais je crois qu'il m'aime, le Williams, l'a maté tout le temps, regardez. Alors, c'est une émulation. Non, je vais mettre ça, c'est juste un beau parleur. Hunter. Listen, I know you fancy yourself as a bit of a multi-dimensional player that can play anywhere, but today you get to choose which position's best for you. So put your best foot forward, impress these scouts, all right, lad? So what's it gonna be? Ok, les gars, donc du coup, là, j'ai le choix entre 4 postes offensifs, à savoir buteur, donc BU, MOC, donc numéro 10, ailier droit ou ailier gauche, lequel je vais prendre. C'est pas compliqué, moi je sais déjà ce que je vais prendre. Je vais pas vous dire, voilà, devinez ce que je vais prendre parce que moi vous allez le voir tout de suite. Mais en tout cas, voilà, le choix va être rapide. Moi ce sera pas buteur, les gars, comme tout le monde, parce que je sais que tout le monde va prendre buteur quasiment. Donc j'ai envie d'innover un peu. Je vais pas prendre ailier droit pour être sur un côté ni ailier gauche. Je vais prendre MOC numéro 10 parce que c'est un poste super kiffant quand tu joues au foot. Qui me fait penser à des joueurs comme Ronaldinho notamment. Voilà, donc numéro 10, c'est magnifique. Ronaldinho, Zizou. Là, bah, je vais une mi-temps à 11 contre 11. Et en gros, l'objectif, c'est là, je suis 15ème, c'est de terminer dans le top 10. Alors, sachez un truc, les gars, c'est que là, c'est au niveau légende. Parce qu'en gros, le niveau est en fonction des paramètres que vous avez mis. Donc, moi, je joue en niveau légende, quoi qu'il arrive. Allez, allez, Inter. Allez, Alex. Allez, mais. Non, dommage. Allez, allez, on a passé la barre des 6. Allez, allez, mais lui, super. Dommage. Ok, match terminé. Ouais, je suis pas au meilleur de ma forme, c'est vrai que 5,7 de notes, c'est pas ça du tout. Ok, bah allez, faut se bouger,
Faut se bouger, faut se bouger. Waouh, 27ème, oh là là. Mais bon, après, je me dis d'un côté, mieux vaut que ça commence comme ça et que ça évolue, soit évolutif plutôt que l'inverse. Ok, donc là, il va falloir mettre des frappes. Allez, ok. Allez, allez, allez. Ok. Allez, maintenant, on vise les cibles. Hein. Voilà, nickel. On vise les cibles. On vise les cibles. Nickel, là. Putain, la Lulu. Allez. Allez, oui. Allez. Voilà, on vise. Pierre, voilà. Elle est dedans. Super. Allez. C'est bon, on revient à la quatrième place. Voilà. Oh, il se la raconte. Hey, garçon, c'est moi le youtubeur. Je regarde pas de vidéos de toi. C'est toi qui regarde mes vidéos. C'est né chez moi. Non, attends, j'ai demandé, t'es nerveux. Je vais le chambrer un peu. Il a chaud. Ah bah, garçon. Alors là, du coup, ça va être un parcours de drill. Ok. Allez, 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 allez. Allez, 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 ouais, 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 ok, 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 là on est bon, là on est bon, là on est bon, on est bon, on est bon, on était bon, on est bon, on est bon, on est bon, allez, là on marque, là on marque. On marque, voilà, super. Bah c'est bon, non? C'est pas bon? Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour... Bon, allez, allez, je continue. Ok, le prochain passe à profondeur. Je pense qu'il me la met. Hop, il faut que je le remette, tout de suite. Ok, pas de soucis. Et du coup, je peux marquer si je vous ai vu. Voilà, 180, ok, nickel. Là, ça va être la même chose, j'imagine. Voilà, je mets en millimétré. Voilà, et je vais viser la lucarne. Ok, allez, accélère, 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 accélère. Super, garçon. Allez, voilà. Ok, donc là on est bien, normalement on est censé un peu remonter dans le classement. On reste toujours 12ème. Là, ok, d'accord. Ok, c'est un 2 contre 3, enfin 2 contre 2 avec un gardien pour eux. Allez les gars, let's go. Allez, allez, tu le remets. Ah, c'est compliqué, il a l'air pas évident ce jeu. Allez, voilà, tu lui mets et tu marques. Super. Allez, tu lui mets et tu remarques encore. Non, il a arrêté. Ah oh bah voilà, parfait, le petit CLC, comme on les aime, bien joué. Ah, j'ai essayé de la mettre à Alex. Allez. Mets lui, marque, 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 super, t'es pas voulu. Allez, vas-y, frappe de là, il reste qu'une seconde. Oh, magnifique, oui, à la fin, non mais je suis encore 12ème. Ok, donc là, c'est le 11 contre 11, ok, donc là du coup, va falloir rejouer une mi-temps de 11 contre 11, et là du coup, j'ai intérêt à faire bonne impression pour être dans le top 10, sinon c'est mort pour moi. Non, allez, je me réserve pour la fin, garçon. Allez, on est reparti là, les gars. Vous savez ce qu'il reste à faire. Voilà, j'ai un peu la pression, je vais pas vous mentir. La compo, ça a l'air d'être un 4-2-3, si je me trompe pas. Allez, allez, Smith. Allez, allez, vas-y. Vas-y, Smith, vas-y. Vas-y, vas-y. Oui, 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 Golasso, yes. Ah, j'ai un peu touché ma manette, désolé, les gars. Ouais, c'est un peu déconnecté. Ah, c'est bon. Allez. Le Golasso bois. Nickel. Non, 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 non. Oui, pas lui. Il marque pas. C'est lui en plus le Williams là, je sais pas quoi. Ok, donc c'est bon. On finit très très bien le match, les gars, avec une note de 7,8. Et là, on intègre le top 10. Yes. Ou incarne Hunter. Non, mais le jeu est rapide. Hein. J'incarne Hunter tout de suite. C'est, la question se pose même pas. Contrôler toute l'équipe, c'est bien. Mais si je veux faire ça, j'ai qu'à aller en mode carrière directement. Won't be long now. Do you think Alex will be okay? He's been talking about his dad a lot recently. I mean, maybe the pressure the exit trials got on top of him. They played well today. Listen, Catherine. About Harold. Maybe if I hadn't have been travelling away to games all the time. You know, some seasons it was like 10 months of the year. You always came back, Jim. You never walked out on your family. No, I followed my dreams. But Harold's injuries cut his short, it ruined him. Stop you from following. T'as en fait, je viens de comprendre que son père, il était joueur à Alexander, et puis ensuite, s'il a une blessure grave qui a dû lui faire arrêter le foot, c'est un délire, on dirait, c'est un film, c'est un délire. You.
think, Grandad? Ah, great performance today, lads. Top draw. You stood out a mile. I am so proud of you. You should be, Mrs. Hunter. Especially when it runs in the family. Burly, no-nonsense forward, brave as a lion, excellent first touch, like a sort of yesteryear Didier Drogba. 22 goals, 68-69. You're Jim Hunter, aren't you? I know you. I used to collect football cards. Okay, donc lui, c'est un agent de foot, ça se voit que c'est un agent. C'est un agent, lui, ça se voit, c'est un agent. Rising Stars Football Agency. We are absolutely the guys for nurturing young potential, and you boys, you got it coming out of your ears. You need representation, you call me. Night or day, Christmas day, doesn't matter. Cheers. We'll keep it in mind. You go safely now. I've heard of that guy. He was around back when your dad was still playing. We should call him. Good to C'est parti. Ok, nickel. Bon bah du coup les gars, je vais vous laisser là pour ce premier épisode du mode The Journey avec Alex Hunter. Il y aura la suite plus tard, on verra la suite sans aucun problème. Voilà, donc la suite j'imagine que je vais peut-être signer quelque part. Enfin j'ai déjà choisi Arsenal, mais voilà. Donc du coup là, performance en détection excellent en 9ème, merci. Donc le côté seul, j'avais 1874 followers, là j'en ai 6074, donc j'ai pris plus 4200 followers. Bon, je commence à avoir la cote un peu, hein, c'est un délire. Donc du coup les gars, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Sincèrement, c'était un épisode en mode très calme, très posé, très relax. Pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des revendications. Là, je voulais vraiment être en mode très posé, je voulais pas être en mode voilà séquencé, en mode très très actif à fond. Voilà, je voulais vraiment découvrir le truc sans aucun souci avec vous. Donc les gars, je vous dis à la prochaine, c'était Abdou. On fera la suite ensemble bien entendu. Et puis voilà, en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao, comment va.